Monsieur Balcois, que pensez-vous de l'acoustique de Notre-Dame des Anges ? Heinrich Schütz, donc, était un très grand musicien allemand qui a notamment étudié à Venise et a été organiste de Saint-Marc de Venise, donc il connaissait très bien et les orgues et les églises. Et il avait l'habitude de dire, il a écrit une préface d'un de ses livres d'orgue, où il écrit à l'intention de l'organiste, le premier instrument avec lequel tu joues, c'est l'église. Parce que c'est l'église qui va diffuser le son pour tous les fidèles. Et alors, je me suis souvent référé à cette citation, en ce sens qu'ici, à Notre-Dame-des-Anges, à Tourcoing, donc, il y a un type de réponse acoustique extrêmement immédiat. Le son, lorsque j'attaque une œuvre, une passion, une messe, enfin une œuvre convenable dans une église, tout de suite, on a l'impression d'être enveloppé par le son. En tout cas, de tout ce que je connais, et j'en connais pas mal, par le monde, c'est l'église qui apporte le plus de satisfaction. Nous avons fait beaucoup d'enregistrements dans cette église et à chaque fois on est frappé par la luminosité et la clarté du son. Lorsqu'on a la chance d'avoir un joyeux pareil, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut effectivement pour le remettre en état le plus vite possible, de façon à pouvoir que le public et les interprètes, et surtout le public, aient la joie de retrouver donc ces moments musicaux inoubliables. Je sais très bien que ce sont des problèmes d'usure dus par le temps, par l'érosion, etc. Mais c'est vrai que c'est extrêmement dommageable, en tout cas à la vie musicale dans cette ville. Il faut, je crois, surtout essayer de la remettre en état et de recommencer à faire des concerts ici. L'association Renaissance Notre-Dame-des-Anges a été créée en 2008. C'est la rencontre de trois volontés. La volonté des paroissiens de cette église qui sont très attachés à leur église et qui veulent lui redonner tout son attrait, tout son prestige. La volonté de la mairie de Tourcoing et son maire, Michel-François Delannoy, qui est propriétaire de l'église et qui veut mener une politique de restauration de son patrimoine. Et la volonté de l'archevêché également de maintenir à cette église sa vocation cultuelle. Cette église, typique du 19e siècle et de la seconde moitié du 19e siècle, en particulier de ce qu'on appelle l'époque Napoléon III, est pratiquement unique au nord de Paris. Tout un travail d'ébénisterie, de sculpture sur le bois qui est vraiment considérable, avec une chaire de vérité qui est très impressionnante, des stalles dans le cœur avec un autel qui est aussi remarquable, des portes de sacristie qui sont un travail d'ébénisterie formidable, des statues importantes. Et alors, l'originalité aussi, c'est le triforium. Il y a 70 statues qui sont dans ce triforium, qui impressionnent par d'abord leur nombre et qui représentent tous des saints de l'histoire de l'Église. Donc c'est extrêmement visuel et magnifique parce que ça a été des travaux faits par des ébénistes flamands de grande qualité et qui ont fait là un travail unique. Nous avons bâti un partenariat avec la Sauvegarde de l'Art français. Donc l'association avec la Sauvegarde de l'Art français, nous faisons appel à la générosité de tous ceux qui sont intéressés à la fois par le patrimoine religieux, par la culture et par la vocation cultuelle de cette église, d'apporter leur concours financier. Par exemple, il y a dans le cœur des peintures de Bruno Chérier qui doivent faire l'objet d'une restauration, des grisailles et des fresques qui sont de très grande qualité. L'association va apporter des financements pour faciliter la restauration de ces peintures et de ces fresques.
Dans cette église, il y a un chemin de croix tout à fait remarquable de Bruno Chérier. Et ces tableaux ont été assez abîmés d'ailleurs, donc ils nécessitent une restauration assez lourde. Les restaurateurs ont été choisis, à la fois restaurateurs des toiles et restaurateurs de l'encadrement. Et nous allons suivre cette restauration. Deux tableaux seront déjà présentés dans la prochaine journée du patrimoine en septembre. Deux tableaux restaurés avec leur cadre qui seront présentés à l'occasion des journées du patrimoine. Nous sommes en train d'alléger le vernis, d'amincir le vernis des tableaux du chemin de croix qui ont été consolidés au préalable. Donc là, une fois qu'il sera, le vernis sera complètement allégé, on va laisser sécher le vernis. Ensuite, on bouchera les trous et nous utiliserons des couleurs qui sont des couleurs au vernis. Non, quand je veux être brutale, je dis vous me donnez une serpillière et je vous rends un beau tableau. En gros, c'est ça. Bon, ceux-là, ils sont quand même dans un état relativement correct. Ils ont été exposés à l'humidité. Je pense qu'il y a eu des fuites dans l'édifice, des coulures d'eau. Donc ça, c'est les premières altérations qui ont abîmé les supports, qui ont taché les supports au dos et qui ont provoqué des chancis de vernis. Et ensuite, des problèmes de manipulation, c'est-à-dire qu'ils sont victimes d'accidents, ils sont tombés, ils ont été donc de ce fait déchirés, troués. Donc en l'occurrence, celui-ci était l'un des moins détériorés. On avait une grande déchirure verticale ici. Des lacunes de toile ici et là des déchirures qu'on appelle complexes. Donc le support a été tout d'abord donc démonté du châssis, décrassé. Ensuite il est mis à plat sous presse pendant une bonne nuit pour que les déformations se résorbent et qu'il se raplanisse complètement. Et ensuite vient le travail donc, de consolidation du support. Ça s'effectue en plusieurs phases. Déjà, les déchirures se referment et on vient faire ce qu'on appelle un collage fil à fil, c'est-à-dire qu'on vient réintégrer les fils manquants dans les déchirures un par un. Alors, une fois ce fil à fil effectué, donc la suture est faite, on vient mettre un pansement, entre guillemets, hein, c'est-à-dire une pièce. Et donc cette toile collée, le tableau est retendu sur son châssis par des bandes de tension. Ça, c'est le travail du support pour ce type d'accident. Pourquoi restaurer ? Pour l'histoire, pour notre patrimoine, ça fait partie de nous, tout ça. Le travail que fait l'association, ça me semble très très important, parce que à l'heure actuelle il y a des problèmes de financement pour sauvegarder le patrimoine, et s'il n'y avait pas des associations, ben, je pense que peut-être que les choses se feraient moins. Vous voyez par exemple les grandes restaurations qui sont là, elles ont été arrêtées 20 ans pour des questions de crédit.